Pues comme ça, et il va se créer quoi? Ainsi, il se crée, il va se créer un ongle, un noyau, dû à quoi? À ta désobéissance, à ton indifférence, à quoi? À l'aboiement de quoi? De ta chienne. Il n'a pas répondu. C'est comme ça. C'est pourquoi, quand vous avez un signe, quand un signe vous vient, il faut vite, il faut bien réfléchir sur ça. Il faut bien réfléchir sur ça. Quand vous le laissez, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme ça. Et c'est ça qui est quoi? Cet ongle-là qui vient de cette indifférence à ta chienne, à la bonne de ta chienne là. Cet ongle-là qui vient de, c'est ça qui est quoi? Ça c'est une désobéissance. Ça vient de ta désobéissance. Le premier ne vient pas de ta désobéissance. Le premier, c'est quoi? C'est toi-même qui as envie de faire l'amour. C'est comme ça. C'est comme ça, quand je disais tout à l'heure que quoi que c'est routi, c'est une femme polie. Femme polie, elle a quoi? Elle a en elle les ongles. Ça ne veut pas dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'elle est polie. Ces ongles-là. Puisque j'ai défini ongles comme quoi? Comme le voyou. Le voyou. Un C. Ça ne veut pas de sa désobéissance. Mais ça vient de quoi? De la libido, de l'envie de faire l'amour. Donc, ça peut dire quoi? Que tu veux ou que tu ne veux pas. Les ongles vont toujours pousser en toi. Tant que tu vis, les ongles vont toujours pousser. Parce que tu as envie. Cette envie-là, au moins cette envie, fais l'amour. Tu auras ça. Et l'amour, c'est Dieu. C'est comme ça. Dieu est grand. Dieu a ainsi créé l'homme comme ça. C'est comme ça. Donc, les hommes vont toujours pousser. C'est votre. Elle est quoi? C'est une femme qui a atteint sa vidéo, sa ménopause. Elle est quoi? Un miroir. Elle est aussi un pancréas. C'est la même chose. C'est un miroir, puisque le pancréas, c'est quoi? C'est un miroir. Donc, elle est un miroir, c'est un sauf. Donc, un pancréas, c'est un sauf. C'est-à-dire quoi? Elle n'est pas diabétique. Puisqu'elle n'est pas diabétique, elle a sa ménopause. Elle a sa ménopause. Et puisqu'elle n'est pas diabétique, alors, il est un peu quoi? Les ongles vont pousser. Les ongles sont présents avec elle. Même si quoi? Même si elle les enlève et qu'elle les arrose, qu'elle les enterre et qu'elle les arrose, c'est une vanité. Parce que c'est équivalent. Que comme s'ils étaient présents. Et c'est équivalent. Parce que quoi? Ici, elle est ici, je suppose qu'elle les a enlevés. Enterrés et arrosés. Ça va poser un arbre, l'ovule, qu'on appelle l'ovule. N'est-ce pas? Mais l'arbre ne pourra pas rester en vie parce qu'elle n'est pas diabétique. D'ici peu. L'arbre ne pourra pas rester en vie. Donc, c'est vanité. Inutile.
Et n'est-il? Et dans cette condition? Dans cette condition? C'est que quoi? C'est que les hommes sont toujours plaisants. Les hommes sont toujours plaisants dans ces conditions. Parce que les hommes sont quoi? Sont un noyau. Un noyau qui sont quoi? Qui sont source d'une la source des problèmes. Le noyau des problèmes.